Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un bon petit pack opening, après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! Voilà, donc on est devant notre pack opening, on prend une voix chelou, histoire de délirer, non je déconne, non mais franchement... Ça fait un petit moment, genre tu vois, je suis en train de regarder des vidéos YouTube, tu vois, et je me dis, allez encore une dernière, bon allez encore une dernière, parce que j'ai pas envie de faire ce pack opening, tu vois. Tu vois, je me sentirais pas à la hauteur, tu vois, du pack opening, tu vois. Et tu vois, il y en a, ils s'en foutent, ils balancent 100€, puis ils touffent tout plein de pack, enfin ils touffent tout plein de coffres. Mais tu vois, moi, un truc comme ça, arène 7, où t'as une chance d'avoir une princesse, où il y a quand même deux coffres quand même gros, tu vois, c'est pas... Tous les jours que je fais ça, tu vois, hein, c'est extrêmement rare, c'est même jamais en fait. Voilà, donc je suis un petit peu dubitatif, je suis un petit peu, je sais pas, moi je suis un petit peu stressé, je suis un petit peu, tu vois, peur de pas être à la hauteur, tu vois. À hauteur de ce deck, menti. Enfin, ce deck, c'est pas opening, c'est pareil, on s'en fout, tu vois le délire. Je suis un peu fatigué, donc je cherche pas à comprendre. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer petit, hein, cette fois-ci, il y a pas de coffre d'argent. Non, je me suis dit, balai avec les coffres d'argent, je les fous à la poubelle, je prends les coffres d'or, boum, c'est nickel. Voilà, ça va faire pas mal de coffres. Enfin, pour moi, ça va faire pas... Il y en a, ils vont dire, ça là, mais ça, moi, je trouve ça tous les jours, mon petit, attends, c'est rien pour moi, ça. Ouais, bah, toi, c'est ton problème, hein. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je me contente de ce que j'ai, mon petit, hein. Alors, on commence petit, mais vraiment petit. Hein, on va pas faire le fier, tu vois, on commence petit. Alors, 71 d'or, ouais. Un sorcier, j'ai envie de te dire que ça passe bien pour l'instant, hein, mais c'est pas encore ça. Hein, bon, faut dire aussi que c'est un coffre gratuit, hein, faut pas s'attendre à des merveilles. Quoique, on sait jamais, une petite princesse, on sait jamais. Alors, ça donne quoi? Oh, j'espère que je vais l'avoir. Si j'ai aucune... Enfin, tu m'as compris, quoi. 70 d'or, ça fait plaisir. Une pierre tombale, hein, ça passe. 8 flèches, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais si j'ai la princesse, les flèches ne me serviront plus de toute façon. Donc, j'ai envie de te dire que... Hein, ça dépend. Alors, on va ouvrir un coffre d'or, hein, voilà. Donc, la base... alors juste 8, ouh, 8, 6, 6, 6, la dernière fois c'était 6, 6, 6, 6, et maintenant c'est 8, 6, 6, 6, bon bah ça fait plaisir, voilà, 197 d'or, 8 barbares, 8 canons, ouais, c'est pas génialissime, mais bon, voilà, 10 électrocutions, ouais, intéressant, et 3 mousquetaires. Dis donc, ça passe les mousquetaires. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai envie d'avoir, tu vois, des trucs de ouf, tu vois. Mais je le sens pas, tu vois. Je sais pas pourquoi. Bon, alors. Oui, donc je vous disais par rapport au légendaire. Voilà. Que si j'avais pas de légendaire dans ce pack opening, je pète les dents à Supercell. Ah ouais, non, mais attends. 4 géants royal, j'ai pas vu le nombre d'or, c'est pas très grave. 8 gargouilles, ça fait plaisir. Ça fait même vachement plaisir, parce que bon, j'aime bien la gargouille. Et 14 barbares, là, par contre, J'utilise pas. Voilà. Bon, 3 mousquetaires. Oui et non, hein. J'ai envie de te dire. Je prends une mousquetaire, c'est pareil, hein. J'ai du pic par 3, et puis c'est bon, on est fini, hein, non. Ah ouais, 3 mousquetaires, c'est dur à utiliser. Franchement, c'est compliqué à utiliser. Faut vraiment avoir la maniabilité, tu vois. C'est genre, par exemple, c'est pas tu l'envoies comme ça, tu vois. Non, faut qu'il y ait une logique derrière, tu vois. Faut que t'arrives à pouvoir l'utiliser logiquement. Et ça, c'est très très compliqué. Y a des troupes comme ça qui sont vraiment dures à utiliser. Si tu veux vraiment utiliser à bon escient. Voilà. Alors, il faut avoir aussi un minimum de chance aussi. Ah ouais, si t'as pas de chance, là, t'es mort. Alors, 408 d'or, je sais pas, je préfère le coffre géant, moi, hein. Allez, on continue, mon petit, 3 gemmes, ça fait plaisir, pourquoi pas, 3 petits gemmes, 17 géants royal, j'ai envie de te dire que c'est pourri, c'est pas très grave, on connaît, non mais géants royal, c'est pas non plus ma carte préférée, hein, tu penses bien que c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Alors, 17 squelettes, bon... avant ils étaient bien, il y avait 4 squelettes, maintenant il y en a que 3, il est nul, hein, voilà, non mais bon, on va pas se le cacher. Alors, 18 électrocutions, non, franchement, depuis qu'il fait que 0,5 secondes au lieu d'une seconde, j'allais te dire que, déjà avant j'avais pas trop d'estime, mais alors là, mais là c'est même plus une carte, là c'est une image, hein, c'est pas une carte, c'est une image, c'est juste une déco, une petite déco, tranquillou. Bon, alors ce qui paraît, on m'a dit que dans les coffres, dans les coffres magiques, on avait plus de chances d'avoir de légendaires.
Ah, on m'a dit ça comme ça après, hein. Oui, non, effectivement, dans les coffres magiques, on a plus de chances d'avoir des légendaires. Du coup, on va d'abord ouvrir le coffre... Ah, comment ça s'appelle ? Coffre géant. Oh là là, j'ai du mal, hein. Je vous avais dit que j'allais pas être à la hauteur. 1377 d'or, ça fait plaisir. On est à 10 000 d'or. Ça fait plaisir, voilà. Enfin bon, 96 or de gargouille. Mais c'est génial. Là, franchement, t'es génial. Là, parce que j'essaye de les améliorer, en fait, c'est pour ça. Donc du coup, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement. Allez. Mais non, c'est nul. Dégage, t'es géant royal, là, on s'en fout, c'est nul. Moi, je veux pas de géant royal. Allez. Je m'en fous, t'es mousquetaire. Et tu paries combien? Tu paries combien? Parce que c'est tellement des escrocs, Supercell. Tu paries combien? Que j'aurais pas de légendaire. Putain, c'est sérieux, quoi. Trois mousquetaires. Et oh, je vais être déçu de ouf. Ah là là, t'imagines, je l'ai au coffre à couronne après les combats et tout. Juste pour faire. Voilà, alors. Bon, allez, c'est parti. Oh là là là. Bon, 439... Non, mais t'es sérieux? 439 d'or? On dirait qu'on ouvre un coffre à couronne, quoi. Heureusement qu'il y a les cartes qui changent tout, hein. Parce que franchement, 439 d'or, c'est la douille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, s'il te plaît, mon petit. Tu me donnes un max, s'il te plaît. Alors, déjà, 5 géants royal. Bon, on va passer, hein. On s'en fout. 24 squelettes, ça va. Dommage qu'il a été buffé, nerfé, voilà, je me trompe à chaque fois. Et 36 esprits de feu, ouais, bon, on sent que j'aille pas trop. Et 7-3 mousquetaires, du coup ça fait 73 mousquetaires, on est d'accord, voilà. Bon, je l'ai déjà fait, mais bon, je la refais parce que c'est toujours bien de la faire. Non mais 10 mousquetaires, hein, tu te fous de ma gueule longtemps ou ça se passe? Ouais, non mais là je suis obligé de dire des gros mots. Bah ouais, attends, le mec il me donne 3 gardes. Il est sympa, tu vois, donc je suis obligé de dire des gros mots. Bah oui. Ah bah forcément, je suis obligé de l'insulter, le mec. Le mec il est sympa avec moi. Moi j'insulte. Ah bah c'est normal. Non? T'insultes pas les gens qui sont sympas avec toi? Oh, je sais pas, moi je fais ça, moi. Ah, il y a des fois, il y en a, il me dit bonjour, je dis ah, tais-toi. Ah non, mais c'est vrai. Bon alors. Non, je déconne. Non, mais franchement, eh oh, on a eu 3 épiques. Je suis pas sûr. Franchement, je voudrais pas te donner de faux espoirs, ni à moi, ni à vous. Mais d'après un petit pack opening que j'avais vu une fois, disons que j'ai toutes mes chances, soit de me faire douiller, soit d'avoir une légendaire. Je suis dans mon délire, les gars. Ça, c'est bon, tu vois. Ta-ta-ta-ta. Du mitraillette dans sa tête, là. Ta-ta-ta-ta. Petit sorcier de glace, là. Ta-ta-ta-ta. Oh, putain, c'est bon, ça. Bon, c'est pas ma princesse. J'avoue que c'est pas ma princesse. C'est pas ma petite princesse. J'avoue que c'est pas ma petite princesse. Mais c'est pas très grave. On tombera amoureux une autre fois. Alors, du coup, on a le petit sorcier de glace. Et ça, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le sorcier de glace? Et qu'est-ce qu'on va faire avec les sorciers de glace, mon petit? Eh ben, on va geler des gens. On va faire tchit, 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 tchit. Oh, mon gars. Bon, tu vois, je t'avais dit. Vu comme c'était, tu vois. Je sais pas, je me souvenais d'un pack opening où j'avais vu... J'avais pas vu beaucoup des pack opening. J'ai dû en voir un ou deux grands max. Ouais, 2 grands max, on va dire. Il y a un moment, justement, il avait eu genre pas mal d'épiques en un seul moment. Et il a dit, là, c'est sûr, je vais avoir une légendaire. Et après, il a eu une légendaire ouais, direct après. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, oula. Bon, moi, j'ai envie de te dire, c'est un peu... Bon, on va pas se cacher, hein. J'ai beau être content, je suis un peu déçu. Juste un tout petit peu, tu vois, c'est pas extrême. Parce que j'aurais pu avoir pire, déjà. C'est ça qu'il faut se dire, j'aurais pu avoir pire. J'aurais pu pas en avoir non plus aussi, hein. Et puis, bah, le truc, c'est que j'aurais pu avoir la princesse. Donc, forcément, quand tu dis que t'aurais pu avoir la princesse, tu te dis que ça te fout les boules. Mais c'est pas très grave, étant donné que le sorcier de glace est déjà plutôt pas mal. Regardez ce que j'aurais pu avoir sinon. Attends, on va voir ça. Hop, j'aurais pu avoir. Bon, à la limite, tu l'as, disons que, apparemment, je sais pas pourquoi, mais apparemment, il passe bien. Bon, si tu veux.
J'aurais pu avoir celui-là. J'aurais pu avoir celui-là, les gars, et ça n'a aucune utilité. C'est limite, tu le mets en carte commune, c'est pareil. C'est pareil. Ça n'a aucune utilité, ce machin. Non, mais si, ça a 2-3 utilités, mais c'est... Oh, ça vaut pas les vraies cartes épiques, tu vois. Disons que c'est une pseudo-carte épique. Et ça, c'est bon, ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Et on fait petit à petit, hein. Alors, combien il coûte? J'espère qu'il coûte pas trop cher. Oh, il coûte moins de 4. Mais non, il est où? Je le vois pas, gros. Non, il coûte que 3. Oh, les gars, il coûte que 3. Ah, mais ouais. Moi, je pensais qu'il coûtait 5, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Ah, ouais. Ah, mais c'est génial. Mais c'est génial. On va le mettre contre quoi? Au coup de quoi on va le mettre en... Ah, du coup, j'ai du mal, hein. Sorcier... Enfin, sorcière. Le sort de rage. Eh ouais, on s'en fout du sort de rage. C'est vrai qu'il a fait pas mal de dégâts, le sort de rage, mais bon, hein, j'ai envie de te dire que si on peut éviter... Enfin, si on peut éviter, ouais, d'enlever les archers ou les gargouilles, hein, c'est... Ouais, c'est autant pour moi. Hein, alors... bah tiens, il y a quoi, là, tiens? Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Ok, ça a toujours pas changé, toujours le même jour. Alors, franchement... C'est dommage que j'ai pas eu ma princesse, mais le petit sorcier de glace, j'espère qu'il va pas me décevoir, j'espère qu'il va être à la hauteur de ouf. Il a pas la portée, mais disons qu'il a quand même une capacité qui permet quand même de bien ralentir les gens, enfin les ennemis, ce qui est plutôt pas mal et plutôt bénéfique, surtout à 3 élixirs que je ne savais pas du tout. Je pensais qu'il coûtait plus cher que ça, minimum 4 je pensais. Mais bon, ça fait plaisir, et moi j'ai envie de te dire, on va se faire deux petites attaques, enfin... De grosses attaques, mon petit. De grosses attaques avec ce fameux deck Arène 7. Alors, je vous ai pas dit ces derniers temps que j'étais Arène 7. Vous avez sûrement vu ça dans les combats. Je vous ai pas dit que j'étais Arène 7. Je vous ai pas dit, enfin, pas vraiment dit ce que j'allais avoir comme coffre. J'ai tenté d'avoir le coffre Magic. Mais j'ai eu du mal, mais j'ai quand même réussi au final, et ça, ça fait plaisir. J'attendais un super Magic, mais j'ai pas réussi malheureusement, c'est pas très grave. C'est toujours une légende pour moi, ça fait plus de 4 mois que je joue au jeu. C'est toujours une légende, mais bon, c'est pas très grave. Y a rien qui est grave avec moi, tu vois. Alors, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer, et j'espère qu'on va vraiment tout défoncer. Allez, c'est parti. Oh, ça, c'est bon, ça. Allez, c'est parti, on est contre Tiger, qui est niveau 9, et on va tout exploser. D'abord, on va dire petit sourire, petite bonne chance, histoire de quand même rester un minimum fair play. Bah ouais, c'est le minimum des minimums. Je vous avouerai que j'ai déjà fait une game, j'ai gagné au dernier moment, mais disons que j'ai envoyé du chevaucheur de cochon, et c'est pas forcément très sympathique. Et je préfère quand même sélectionner des games qui vraiment vaillent le coup. Alors toi, t'as du sorcier, mais moi, j'ai du sorcier de glace, mon petit. Hey, 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 t'as le démon là, hein. T'es jaloux, allez avoue, t'es jaloux. Alors ce qu'on va faire, on va envoyer des petites flèches, on va envoyer un petit sorcier de glace. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah c'est très simple, on va mettre des archers, tiens, des archers, on est chaud. Allez les archers, tranquillou, ça passe ou pas? Ouais, ok, ça passe? Ouais? Non, ça passe au KLM les gars. Regarde. Non mais, laisse tomber, non, ne dis rien, chut, non, tais-toi, non. Non. Ah. Je me suis fait humilier, quoi. Ah, oh, ça partait d'un bon sentiment. Ça partait vraiment... Genre, tu sais, ça allait vraiment vers l'exceptionnel, tu vois. L'exceptionnel, tu vois. Et ça aurait été pas mal. Seulement, je me suis fait exploser. Hein, voilà. Bon, ça arrive. Oui ou non, hein, ça dépend à qui. Hein, voilà, ceux qui ont de la chance, ça leur arrive pas, bien entendu. Hein, voilà, voilà. Bon, on va essayer de mettre quand même des flèches au cas où. Allez, les flèches, s'il vous plaît. Il a toujours pas mis de horde. Oh, yeah, il a mis sa horde. Il a mis sa horde, les gars. Il a mis sa horde. Oh, il est pas mort. Tu le vois? Oui, tu l'as tué. Oh, les gars, là, j'ai envie de te dire. Là, j'ai envie de te dire qu'on va essayer d'aller dans le mode spécial et qu'on va essayer de mettre un maximum de sorciers. Quand je dis un maximum... Bon, tu m'as mal compris. Quand je te dis un maximum de sorciers, j'ai pas envie de mettre un maximum de sorciers. En même temps, tu vois, mais genre vraiment en profiter, tu vois, voir ce que ça donne, tu vois, profiter un max, tu vois. Donc du coup, on va essayer de farmer le sorcier, tu vois. Enfin, je sais pas si t'as compris. Enfin, pas de farmer, tu sais, mais d'essayer d'en mettre un maximum, tu vois, de remettre et remettre, tu vois, en permanence, tu vois. Pas forcément en même temps, tu vois, parce que forcément, il va les tuer ou je sais pas quoi, mais on va quand même essayer, tu vois, Enfin bon, on s'en fout d'être démire. Bon, alors, c'est parce que je savais pas quoi dire, voilà. Donc, il faut bien que je dise des choses, hein, et forcément, je m'embrouille. Mais de ouf, je m'embrouille de ouf. Alors, je lui mets masse là ou pas? Je lui mets masse? Hein, ouais? Allez, un petit sorcier avec? Un petit sorcier? Non, mais juste comme ça, je dis ça comme ça après, un petit sorcier? Hein? Ouais, tranquille, tu me le tues? Voilà, ça fait plaisir. Allez, on continue avec. Oh là là, il va mourir. Mais non, il meurt pas! Il meurt pas de ouf, les gars, il meurt pas! Allez, on continue, les gars, on continue, on met masse!
Allez, on continue, on va mettre une petite horde de gargouilles. Regardez ces sorciers qui ralentissent de ouf. Oh là 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 là, regardez la horde de gargouilles qui arrive. Et là, vous pouvez pas dire qu'on n'a pas, on a pas foutu un maximum de sorciers là. Bon, on en a mis que deux, effectivement. Mais bon, malgré tout, on a vu ce qu'il valait. J'ai envie de te dire que c'est limite, si j'ai plus de flèches, ça me dérangerait même pas, tu vois. Bon, alors, super combat, et puis bonne chance pour la suite. À mon avis, je pense que tu vas en avoir besoin. Voilà. Alors, juste comme ça, par rapport aux sorciers, oui, donc effectivement, par rapport aux hordes de gargouilles avec le sorcier, ça passe bien. Le truc, c'est qu'on en aura toujours besoin au cas où qu'on n'a pas forcément envie d'envoyer le sorcier ou même qu'on l'a pas. Tu vois, il y a les flèches comme ça, tire de loin, tu vois, au moins tu vas directement sur la cible, ça les tue en un coup et puis t'es nickel, quoi. Donc je sais pas, pour l'instant, je préfère garder le sorcier. C'est vrai que j'aimerais bien tester avec un sort de rage. Ah, c'est vrai que... c'est vrai que... Allez, moi je vous dis à tout de suite, mais avec le sort de rage, sans les flèches, c'est parti. Allez, c'est parti, on est contre Pekaito qui est niveau 9. Donc on va faire un petit sourire, une petite bonne chance. Alors forcément, hein, moi j'ai la poisse, du coup il y a ma gorge qui me saoule et me saoule. Bah ouais, parce qu'elle est là, là. J'en peux plus, moi, ça me saoule. Non, mais ouais, c'est chiant, après, c'est des fois, c'est ça. Genre, enfin bon, laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Alors, ça donne quoi? Ça tape, papa, ça tape? Ça tape, il est méchant. Hein. Ah, il est méchant. Ah, il est vraiment, mais alors vraiment méchant. On va voir ce que ça donne. Non, juste comme ça. Hein. Petit show, chiant, dès le début. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas un sort de rage? Non, ça passe pas le sort de rage. Ok. Oh, il frise pas les trois en même temps. C'est dégueulasse. Il frise pas les trois en même temps, c'est dégueulasse. Alors là que c'est dégueulasse. Oh là, heureusement que j'ai la horde de gargouille, hein, sinon je serais vraiment dans là. Hein. Tu m'as compris, je pense. Alors, ça passe. Ouais, c'est bon, il y a moyen de tuer en même temps les petites archers là. Non. Oh là là, j'y croyais même pas. J'y croyais, mais alors même pas du tout. Ah, ça c'est bon ça. Oh, c'est génial. Alors là. Alors, ce qu'on va faire. Ouais, j'en ai pas mis. Effectivement, je l'avais pas dès le début. On va voir ce que ça donne avec ça, hein. On va tenter le sort de rage, vous inquiétez pas. Sûrement dans un minute spécial, parce que je pense que ça reste des durs, sinon. On va garder la Valkyrie en défense. Ah, le petit filou. Alors là, hop là, petite Valkyrie. La Valkyrie qui est pas derrière. Oh, non, j'ai le démon. Ça le tue ou pas? Ça tue même pas le... Oh là là, j'ai trop le démon. Non. Mais je pensais que ça allait tuer le bombardier, moi. Oh là 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 là. Bon, c'est pas très grave. On va tenter le... ça passe ou pas? Ça, non, ça passe pas. Oh là 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 là. Ah non, j'ai mis le sorcier de glace, mais comment je suis trop teubé. Oh, je voulais mettre les gargouilles. Oh le fail. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux que je sache jouer, moi, si je fais des trucs comme ça aussi? Oh, tu détruis un minimum. Mais même pas, quoi. Et franchement, une game, alors là, je pense que... Soit il y a un retournement de situation, soit je la sois... Ah, tu m'as compris, hein, voilà. Commence pas à casser les steaks. Alors, on va attendre un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus bénéfique. On va faire ça. Ça donne quoi? Ça passe? Ça passe pas? Non, ça passe pas, hein, bien entendu. Parce qu'on est vraiment pas chanceux comme d'habitude. Alors, lui, il va mettre sa Valkyrie, hein, histoire juste de m'embêter et pas pouvoir... Si, eh ben voilà, il a mis la Valkyrie. Du coup, maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Oh, quoique. Mais oui. Oh, mais carrément le sort de rage. Vite. Ça donne quoi? Non. Oh, ça a tué. Non. Ça l'a tué tout. Sérieux, gros? Oh là là, c'est génial. Ah, ça a tout tué, quoi. Ah, ça fait plaisir. Alors là, je suis content. Alors là, je suis content. Oh là là, je suis content. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre ça. On va mettre la petite horde de gargouille. De toute façon, ça va partir à droite, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, ça. Ça donne quoi? Ouais, ça passe, le petit zap. Même pas, tu l'as pas le zap, mon petit. Fallait le garder, le zap, hein. Fallait le garder. Et ben voilà, petit sort de rage, les gars. C'est qui est le meilleur? C'est Baby. C'est qui est 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 meilleur? C'est Baby. Oh, c'est génial. Alors là, super combat. Et puis, bonne chance pour la suite. Bon, bah, franchement, j'ai envie de vous dire. Alors là. Mais j'y croyais même pas. Tu vois, j'y croyais pas, tu vois. Je me suis dit, il m'a explosé. Je me suis dit, j'arrive pas à le toucher. Je me suis dit, je suis mauvais, je fais n'importe quoi. Mais j'ai fait un retournement de situation, Mamtei. Avec le sort de rage, t'es, mais alors, mais tout défoncé. Oh là là, il faut prendre des flèches, hein. Si t'as pas de flèches, mon gars, tu ne défends pas. Ah, c'est pas possible.
Ah là là, fais pas comme moi, fais pas le fou à pas prendre de flèche, fais pas le fou, hein. C'est génial. Oh là là, bon, moi je vous dis à tout de suite, hein. Oh, je pense que vous le savez, pour le coffre à couronne, c'est parti. Allez, c'est parti, on va finir vite ce pack opening parce que je commence à chauffer de la tête. Pff, je suis en feu là, genre là on pourrait faire cuire des merguez sur moi là. Ah, c'est un truc de fou, hein. Alors, ça c'est bon ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce coffre à couronne. Bon, j'y crois pas, hein. J'ai envie de vous dire, la légendaire n'est pas pour moi, mais on sait jamais, on sait jamais. Non, j'y crois pas. Mais bon, on sait jamais, on peut toujours espérer des fois, hein. Mais bon, tellement que Supercell et Radin, il faut même pas y croire, tu vois. Même pas une petite lueur d'espoir, c'est pas possible. Tu viens d'en avoir une, tu peux pas en avoir une deuxième. Alors, donc, 418 d'or. Là, j'ai envie de te dire, mouah. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais bon, je pense qu'on peut faire mieux, hein. Voilà. Alors, 2 gemmes. Ça va, ça passe. Donc on a eu 5 gemmes dans ce pack opening, ce qui est plutôt pas mal. Mais ça reste encore peu, hein. Franchement, c'est pas beaucoup, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu la suite. Je sais même pas pourquoi je me lance là-dessus. Il y a des fois, je suis fatigué, donc c'est normal. Alors, 24 mortiers, franchement, j'ai envie de te dire. Désespérance totale. Allez, on continue. 27 géants royal, ouais. Oh là là, je suis trop content. C'est génial. Non, franchement, s'il te plaît, arrête. 6 fournaises, ouais, c'est trop bien. On applaudit bien fort. Ouais, la fournaise est parmi nous. Ça fait plaisir, 99, nickel. Oh là 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 là, je te jure, allez, on rappuie. Et alors là, t'as intérêt. Pourquoi moi? Oh, mais t'es sérieux, gros? Mais t'es sérieux? Tout ce que t'as trouvé à me dire, c'est que t'avais qu'un Arkix en stock, c'est tout? Oh là 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 là! Puis là, les gens, ils vont dire, ouais, mais t'es sérieux? Moi, j'ai jamais eu de légendaire, et toi, tu te plains parce que t'as un Arkix alors que t'as eu une légendaire juste avant, tu te fous de moi, là? Oui, non, mais bon, voilà. Disons qu'on fait comme si j'ouvrais que ce pack, tu vois le délire? Enfin, que ce pack, que ce coffre. Et donc, du coup, forcément, moi, je m'attends à voir que ce... Enfin, par rapport aux cartes, tu vois, c'est pas parce que j'ai eu des légendaires avant que, enfin bon, tu m'as compris, quoi, vas-y. Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai eu un Arkix. Bon, j'ai envie de te dire que l'Arkix, hein, c'est pas trop mon délire, hein. Or, déjà, ça défend que dalle. Si c'est pour tirer avec, sur les tours, j'ai envie de te dire, bah, dans ce cas, bah, hein, revois un petit peu tes priorités, hein, voilà. Et puis, bah, c'est tout, en fait. Tu vois, je suis resté silencieux, tu vois, j'ai regardé. Et là, j'ai regardé vraiment pour savoir ce que c'était, tu vois. Je savais que ça allait être une légendaire, tu vois. J'ai regardé savoir ce que c'était. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Sorcier de Glace, tu vois. Donc, dans ma tête, pour l'instant, je me disais que je pouvais avoir n'importe quoi. Donc, j'ai bien attendu, histoire de savoir que, tu vois, le mec, il s'enjaille pour rien, tu vois. Et au final, c'est une bûche. Ouais, bon, finalement, en fait, je m'en fous, tu vois. Donc, tu vois, je préférais savoir avant ce que c'était pour savoir vraiment la dose qu'il fallait que je mette. Et savoir vraiment la réaction que j'allais avoir. Et quand j'ai vu le Sorcier de Glace, je me dis, tu vois, ça affiche genre en 0,5 secondes, je me suis dit, c'est pas la princesse, c'est pas non plus la plus nulle des cartes, c'est limite la deuxième meilleure. Allez, on est chaud. Ça c'est bon ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis franchement, ce pack opening, ça fait plaisir. Et aussi, n'oubliez pas. Hein. Restez cool. Ça c'est bon ça. C'est génial, j'adore. Et franchement, j'adore. Non, j'adore. Non.